Richard Dumbril, ça fait 20 ans que les bineuses Robocrop marchent sur les plates-bandes des pulvérisateurs dans les céréales. Une Robocrop, comment ça marche ? Alors c'est simple, c'est une caméra qui filme les rangs à l'avant de la bineuse. Cette image-là est analysée par un ordinateur qui est prévu à cet effet. Et en fait, on mesure les épaisseurs de rangs qu'on compare les uns aux autres de façon à pouvoir pousser les bineuses et les garder en place comme on le faisait à l'époque avec un siège et un opérateur derrière. Alors avec quel interrang et quelle surface travailler en largeur ? Alors très grande surface, puisqu'en fait sur un exemple on travaille en céréales à 15 cm d'interrang, on est capable de placer une lame de 10 cm de large. Donc c'est une très grande surface cultivée, enfin travaillée à l'hectare de façon à couper toutes les mauvaises herbes. Alors est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des bugs ? Pas vraiment, en fait, le système est très très fiable parce qu'il a été pensé absolument pour avoir une seule tâche, c'est-à-dire le guidage de bineuses et des bineuses Garford. Donc en fait, c'est très très fiable, ça travaille sous Linux et on n'a pas de bug informatique a priori. C'est-à-dire que les seuls moments où la caméra pourra décrocher, c'est effectivement si la mauvaise herbe passe par-dessus la culture implantée. Et effectivement là, si on ne voit plus la culture, la caméra ne les voit pas non plus et le système pourrait défaillir. Mais il ne faut pas oublier que biner, c'est garder un champ propre, donc c'est y aller travailler très tôt, très propre, très près du rang, de façon à justement pas gérer ce genre de choses. Donc c'est efficace, c'est sélectif. À quelle vitesse on avance ? Des gros débits de chantier, puisqu'en fait, de manière générale, on est entre 8 et 15 km/h. Ce qui va freiner un petit peu les débits de chantier, souvent, c'est les gros dévers et la présence de cailloux de plus ou moins grande importance. C'est-à-dire que si on n'entend plus le moteur du tracteur, mais que la bineuse dans les cailloux, il faut ralentir un peu. Alors je le disais, votre bineuse, elle a 20 ans d'existence, c'est pas rien. Aujourd'hui, la problématique herbicide, on la connaît très très bien. Est-ce que vous en vendez à tire-larigot de ces bineuses ? Alors tout à fait, on en vendait déjà en 2000, la première machine en France est arrivée en 2003 et c'était effectivement sur des cultures de céréales et d'autres, mais plus spécifiquement en bio. La demande est de plus en plus grande face à des problèmes de résistance qui sont en fait en bout de rouleau en fait en herbicide, et donc la bineuse est là. Quand on dit c'est 20 ans, ça fait 20 ans qu'on fait du guidage effectivement sur nos bineuses, mais en fait Garford fabrique des bineuses depuis 1953. Donc c'est une vieille société familiale sur laquelle on a voulu virer le siège derrière pour y mettre un système informatique qui tient la route. Combien ça coûte ? Si on prend un exemple concret, une 43-15, donc 6 mètres de large, il faut compter un peu moins de 50 000 euros. Et si on est en 3 mètres ou en 4 mètres ? En fait, le système de guidage, proprement dit, est aux alentours d'un peu plus de 20 000 euros. Et donc, en fait, c'est une grosse partie de l'investissement. Donc, en fait, là, c'est là qu'on peut parler en fait, d'investir à plusieurs. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien acheter un translateur à deux. Vous avez votre bineuse pour faire vos maïs, ma bineuse pour faire mes quinoa. Et effectivement, on sort le translateur qu'on partage pour les deux outils de travail du sol. Richard Dumbril, je vous remercie. Merci beaucoup.